Alors, bienvenue sur la chaîne pour la suite du Let's Play de Another Crabs. On continue notre aventure. Alors, la dernière fois, je m'étais arrêté donc au niveau de l'entresable là. J'en ai profité, j'ai tiré donc en direction du nord. Je suis arrivé donc jusqu'à la zone du bosquet. Faites attention à bien passer au niveau, on va dire, je vais vous montrer rapidement. Alors, il faut bien passer entre les bouées là que vous voyez en fond là, comme ça. Pour éviter de se faire attaquer par le boss, Pagorus, ou je sais plus comment il s'appelle. Parce que sinon, s'il vous chope à une fois, ben vous êtes mort. Et il faut bien essayer de passer, on va dire, donc au niveau des zones. De la route hachurée, là, comme ça, là, sur le sol. Ah, donc vous suivez bien le chemin comme ça, tout le long, et vous essayez de suivre les traces au sol comme ça. Et en gros, il ne pourra pas vous attaquer, quoi. Allez, je me fais attaquer par deux merdes. C'est bon? Allez, tranquille. Donc voilà, vous suivez bien le chemin comme ça, toujours donc en direction du nord, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. Suivre bien les bouées donc pour pouvoir arriver donc au bon chemin. Et vous arrivez du coup donc à la zone du bosquet, juste là. Alors j'en ai profité également pour un peu grader mon personnage. J'en ai profité pour faire un peu des achats et tout ça en récupérant des micro-déchets là dans la zone, en éliminant bon, voilà, un peu les ennemis là, de la zone rapidement en suivant le chemin. Ce qui m'a permis notamment d'acheter à la boutique dans la ville au niveau des bas-fonds une cinquième possibilité du coup de me soigner. Et sinon dans l'ensemble, ouais voilà, y a pas plus quoi. Alors du coup on reprend là où on s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il veut lui? C'est une contamination qui a causé la chute de l'étal. D'accord. Il y a d'autres choses à raconter ou pas? Le maître du récif. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette zone? Attends, il n'y a pas de truc à faire en sautant juste là, là, non? Il y avait un objet là. Pas d'ennemis là? Non, ça va. Déjà un nouveau truc? Ah! C'est Estuaire. Déjà entré mer à mer.
Alors, d'après le vieux conservateur, le premier morceau de carte se trouve quelque part par ici. Ok, donc il va falloir que je mette la main là sur le dos du paquet de Kellogg's. Hein. Ah merde! Attends, j'ai déjà essayé d'aller éliminer lui là. Ah putain, je le vois pas décrocher son arc là. Ah mais faut se calmer là, non? Eh ben, oula, il a l'air énervé lui là-bas. On peut se promener un peu tranquillement sans se faire. Ouh, putain, d'accord. Ouais, d'accord, ok. Il est en train de canarder de loin. C'est l'autre là qui est en mode énervé complet. C'est quoi ça? Il faut se cacher parce que sinon on risque de se faire voir par un ennemi, c'est ça l'idée? C'est quoi la grosse conque là? Il me fait peur lui. C'est méchant ça, non? Ah merde, merde, merde! Ah putain! Plus lent là! Ah putain! Le lycanthrope corrompu! Eh ben! Alors c'est sympa cette zone! Alors c'est sympa! Chariot. Eh merde, je suis mort. Ah bon, si ça va quoi, il arrive, il vient, il t'envoie l'attaque quand il est sur toi. Et je veux faire.
Laisse-moi un peu de répit, un peu, tu vois, avant de m'aspirer. Allez, comme d'hab. Allez, je t'envoie 40 000 et demi dans la bouche. Allez, casse-toi. Ouch! C'est bien parce qu'il écrase ses alliés un peu. Ça, c'est cool, ça. Soigne-toi, c'est juste au cas où. Je vais être serein. Allez, dégage. Ah, ils sont encore là? Oui, ça va, on a compris! Oh! Malade! Oh, petit poisson sympathique, toujours prêt à prendre la défense de son ami. V en vitalité. Va se calmer, oui. Ça me dit. Ah merde, je me disais, il y en avait un qui était caché. Dégage. Le buisson, ça parle pas. Pardon, désolé. Chut. C'est quoi ça? Probiotique. Flipper un peu cette zone, hein? Allez, grimpe. Ah, ben voilà. Déjà une nouvelle zone. Sympa. Peut-être éviter de tomber là-dedans. Je suis pas sûr qu'on va apprécier. Oh, peut-être améliorer un peu le perso. Hein. Ah! Qu'est-ce qu'il veut, lui?
Déjà? Attends, un peu des choses à visiter, non, dans la zone? Je t'ai fait ça en 2 secondes, con. Ah, ça va, j'ai miné une daube et basta, quoi. Pas trop apprécié la chute, hein, mais. Ok. Il y a lui en bas, là. Après, je peux me TP directement maintenant, donc ça va, mais. Là, on dirait qu'il y a des trésors, tu vois, cachés, mais. Tu vois, comme s'il y avait des croix, genre un peu comme un trésor aux pirates ou un truc comme ça, tu vois. Trésor de pirates, pardon, aux pirates. Ah, toi, par contre, viens là, toi. Toi, par contre, tu m'intéresses. Moi, j'aime bien ça. Écume, je trouve que c'est une bonne attaque. Ça te permet de prendre un peu du recul, de voir venir, tu vois. D'accord, donc là je reviens ici, pas de problème. Ah mais tu vois, je préfère prendre mon temps. Verre à shot. Éclat, ouais, mais tu vois, le problème des verres, c'est que c'est pas résistant, quoi. Ça fait déboîter en 2 secondes. Ok, là-bas, t'as une grosse merdouille. Ah putain, il y a un joli trésor là-haut. Mais attends, c'est deux merdouilles ou une merdouille? Bon, au moins déjà il a pas bougé, c'est une bonne chose. Tout ça pour ça? Pas dingue, non? Pas dingue. Non, mais il y a des trésors à droite à gauche, putain, j'ai envie de les récupérer quand même. Pas envie de me jeter genre directement quoi. Après le problème c'est que tu passes trop vite les zones et tu te fais déboîter. Parle de lui là, casse-couille. Et ouais, putain, trop loin. Ah d'accord, ok. Pour arriver là-bas, genre, il faut passer par là, par là, par là, quoi. D'accord. Bon, au final, ils ont les yeux violets, mais ils sont pas extraordinaires. Hein. Oh, ils sont pas dingues. Ah, tant qu'à faire, on profite. Ouais, ben, tu vois, on récupère un peu des objets à droite à gauche. Par contre, ce qui est chiant, c'est ces putains de snipers là derrière. Allez, on y croit. Oh! Non, pour de vrai, là, il faut. Dommage que tu puisses pas casser ça pour le faire tomber, tu vois. Ça aurait été cool.
Bah, ça sera pour me soigner, c'est pas mal. Là, il y a un raccourci là-bas. Par contre, il y a une grosse merde énervée là. On parle de lui là? Ah, j'étais peut-être un peu gourmand. Bon, après. Un poids lourd capable d'attirer les déchets comme les créatures dans les profondeurs. Les attaques renversent plus facilement les ennemis. 21 attaques? Ah ouais, d'accord, ok. Vénère un peu, non? Bah, soigne-toi, tranquille. Ah, j'ai encore de la vie, donc ça va. Il y a un objet là, regarde. Ah, ta race! Coquille sur laquelle sont gravées d'antiques connaissances. Augmente les charges d'Umami. Pas mal ça. Et par contre, en termes de dégâts, ils font mal, hein. Les snipers là, ils piquent, hein. Donc là, je reviens au début de la zone. Y a un truc là-haut, là. Trace. Après, une fois que tu les as au corps à corps, ça va, quoi. Ils sont pas beaux, les trois, là? Les sbires du boss là. C'est un objet ça? Non, c'est pas un objet. Mais je suis protégé. Bon, en plus ça va, il est généreux, il me rend un truc. Il y a les trucs comme ça là, les gros carrés là, mais je peux pas les détruire ça. Wow, le dégât de fou! Ça manque de vie dans cet endroit. Et merde. Bon, après, c'est pas grave, c'est juste à côté, donc je vais le récupérer, mais. Il est long le chargement. Alors bon, du coup, ben, j'ai réinitialisé, j'ai refait, c'est pas grave.
Alors, je suis revenu là, j'ai récupéré mes écumes, j'ai utilisé un peu des trucs à droite à gauche. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? Donc là, on reprend là où on s'est arrêté, hein. Oh, pas mal! 2500, pas mal! Wouah, je me suis fait ouvrir. Ouvrir. En plus, c'est chiant, genre, et les mecs et toi, proxy, là. Ils sont deux, il y a l'autre qui te tire dessus, c'est bon, quoi. Il y a ces burnes. Bon, je suis pas mort loin, mais. C'est chiant, quoi. Par contre, c'est normal que j'ai plus de coquilles de merde. Pas une daube à ramasser, là, dans le coin? Ah, y a rien à ramasser quoi. D'accord. C'est vas-y débrouille-toi quoi. Non mais je veux bien, mais laissez-moi putain, laissez-moi ramasser une merde. Ouais, 1000, pas mal. Elle monte sur la canette, merde. Allez! Ah, aussi, t'abuses. Mec, il met 2 heures encore, regarde ça. Il monte, il est là, il glisse et tout. Ben, purge. On fait une canette, con. Ok, parfait. Se sacrifier pour ramener à la vie, ça c'est bien ça. Bon, on va éviter de demander son reste, on se casse. Mais c'est l'enfer cette zone. C'est une zone à rush ici, non? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas gentil ça? Pas vraiment. Bah, il résiste en ce con. Ah! C'est mal! Bah, il m'a déboîté, mec. Oh, il a l'air costaud, lui. Hein. Il a l'air costaud. Ah, mais ce qui est chiant, c'est que j'ai pas une. Il n'y a rien à proximité. Oh. Allez, casse-toi. Ah mais c'est une purge cette zone.
Taille-toi. Allez! Ah merde. Ok. Pince ivre, je sais pas ce que c'est, mais... Ça avait l'air pas mal, non? Je sais pas, je faisais pas de dégâts, et là je faisais plus de dégâts, donc... En plus, ça a l'air d'avoir une assez bonne résistance, cette merde. Donc là, il y aura un pont à faire tomber. Ok. Ah putain merde, je pensais que c'est un truc. Ah voilà, oui. Passe pour récupérer mes trucs. Calme-toi. Allez, touche-moi ce courroie alternatif là. Bon, on va pas améliorer grand-chose, hein, je te le dis. Hein. Pas trop mal au genou. À l'époque du vieil océan. Dans le temps, il y avait un village de sorciers ici. Bon, bah, je crois qu'on a compris le prochain boss. Voilà, c'est ça, une poignée de maîtres rituels auraient survécu, nanana. Bon, on peut y aller tranquille ou pas? Ouch. Ça a l'air bien ça, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus de dégâts. Ouais. D'aller se baigner là-dedans, pas vraiment. Blague ou comment ça marche? Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais là ça va, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien compris. Thank you.
Oui, après, t'arrives, lui, hein. Ok. Alors attends, on était là là. Ce qui est chiant, c'est que du coup, il s'est mis à sauter là, c'était chiant ça. Ouais, pas grave. C'est pas grave. C'est bon? Arrêtez de me ronger ou ça va? Merde, j'ai oublié l'objet. Pas grave. Oh, 9 nouvelle coquille obtenue. Ok, parfait. Voilà, j'ai laissé l'objet, c'est pas grave. Ah merde, putain! Non, je pensais que la longueur était bonne, mais faut croire que non. Attends, c'est le mec qui te tire dessus, ça, ouais, je le connais. Bon, ils sont pas très. Sont pas très résistants. Allez, ça dégage. À là-haut. Ah, il y a un raccourci là, t'es. Il est où le raccourci par rapport à un truc là? Bon, qu'est-ce que c'est ce raccourci de merde? Je sais même pas où il est comme par rapport à la carte. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, bon. C'est l'alpinisme le truc. L'escalade c'est. Alors.
Alors, j'ai un deuxième raccourci. Après le premier, là, quand tu arrives là-bas. D'accord. Ah, c'est la meuf du bar, ça. Ah, purge! Ah, pure purge! Oh, le truc ivre, c'est pas mal, hein. Ah, ben voilà une vie en plus. Oui, bah, arrête de caresser l'autre là. Mais arrête, elle va. Tiens, mais la vie est tombée, merde. Tiens, tout ça pour caresser le guignolo là. Ah ben c'est là qu'on a créé le raccourci, non? C'est ça, ouais. Allez, par là. Ouais, du coup, j'ai plus la vie, elle est partie. Fais chier. Ouais, évite de tomber à nouveau, ça me range. Alors, là-bas. Rien. C'est bien le petit poisson là, parce que ça me rajoute de la vie, mais par contre, merci quoi. Celui-là, il va en donner celui-là. Celui-là, il fait plaisir celui-là. Ouais, avec ça, du coup, je peux pouvoir améliorer une nouvelle compétence. Ça, c'est pas mal. Oh, ils sont généreux, ils me rendent mes vies. Raccourci découvert. Ah ben il est là le raccourci, cool. Eh ben parfait, ben du coup on va pouvoir s'arrêter là. Voilà, bah du coup, comme je disais, on va s'arrêter là. On a créé pas mal de raccourcis, visité pas mal un peu la zone et tout ça. Je pense qu'on va arriver bientôt bah, à la fin, hein, parce que après, voilà, je pense que dans l'ensemble, on n'est pas trop mal. On va améliorer un peu ça, je pense que ça sera pas mal pour la défense. Et il me reste 1005, donc j'ai pas assez. Je vais peut-être aller en ville pour notamment vendre des trucs. Et non, pas là. Là, ici. J'ai pas mal d'objets à vendre, là, les trucs à 2500, 1000 et compagnie et tout, donc il y a pas mal de choses. Voilà, je vais aller faire un peu des emplettes, essayer d'améliorer un peu 2-3 trucs au niveau du personnage et tout, si je peux essayer de stuffer un peu plus mon équipement et tout. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine, on découvrira la suite de l'aventure la prochaine fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, et sur ce,
Ciao, ciao.